All right. Bonjour tout le monde. On est encore à du bruit à mes oreilles pour le 24 heures et on est à la troisième heure, Daphné. Avec qui qu'on est? Bon, oh, t'as déjà oublié. Tabarnak, ça va bien. Je l'ai dit là, avant qu'on commence. C'est moi, quand je mets le casque, là, je vire que j'ai besoin d'une genre de petite minute, là, puis je reviens. All right, je t'ai pris au dépourvu, Daph. On est avec la gang de Union Talk. Ils sont là pour le deuxième fois pour le 24 heures. Yes, sir. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oh, j'ai oublié d'ouvrir vos micros. Attendez deux secondes. All right. Là, allô, on a allô, les écoutes de moi. Allô, yeah. Allô. Les levels sont bons. Hey. Yeah, on est encore fatigué. On start ça tranquillement. Ça va bien. On est dans un autre setup. Là. Ça va être beau à 4 heures du matin. Ah ouais. Bon, on devrait être rendu rodé. Je comprends pas de quoi tu parles. Yes. Je vous laisse vous présenter pour une troisième fois. Qui sont les Tugs avec nous en ce moment? Hey, je start ça. C'est Mathieu, je joue de la basse. Éric, je chante. Noël, guitare. Bobette, accordéon. Sansan, qui joue de la guitare. Nice. Derek, qui n'est pas là, notre drummer, mais on s'est dit que c'est peut-être pas le best de jouer du drum ici. All right. Bien, super content de vous avoir avec nous. Qu'est-ce qui se passe un peu avec vous de ce temps-ci? Là? Il y a des cool shows qui s'en viennent. Vous avez pogné des cool gigs puis tout ça. Comment que ça se passe? Là? Écoute, on peut y aller en ordre chronologique, là. On vient de sortir un split avec un band de folk new-yorkais Out of System Transfer. Okay. Là-dessus, on a fait deux tunes par band. De notre côté, on a repris une tune de Woody Guthrie, Bound to Lose, puis un petit reggae J'avance que je pense qu'on nous avait joué la dernière fois qu'on était venu. C'était pas encore enregistré. Fait que je pense que ça, c'est la première grande nouvelle qui a alimenté 2023. All right. Puis comment que c'est venu sur le plan, ce split-là avec les autres formations, puis aussi le cover, pourquoi vous avez choisi cette tune-là? Bon, je peux y aller. Dans le fond, comment c'est venu Out of System Transfer? C'est un groupe qu'on avait déjà partagé la scène avec là, à Montréal lors de leur passage, notamment au Revolution Fest. Puis je sais pas si on avait déjà rejoué avec eux, mais on a rejoué avec eux depuis qu'on a c'est fait des, ça. C'est des vieux. C'est un couple. Ben, c'est un ex-couple, ils viennent de se laisser, c'est épouvantable. C'est des vieux chums à Derek, notre actuel drummer, puis Wawa, notre ancien drummer. Okay. Fait qu'ils ont comme toujours été un peu dans le réseau. Puis c'est ça, c'était du monde qui faisait du folk aux États-Unis, puis on a un peu le même message, là, un peu revendicateur, on pourrait dire. Fait qu'on trouvait que ça fit ensemble, puis eux autres aussi. Mm. Il avait bien aimé l'idée, fait que nous autres venaient de recorder, nous autres on avait décidé de recorder deux tunes, fait que on a fait ça ensemble, puis ça a été bien cool. Ouais. All right. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Il y a un show fouf qui s'en vient avec Days and Days, ça c'est quand même une grosse affaire. De nos shows fouf, ben, en fait, toutes nos shows de 2023 bizarrement ont été au fouf à date. Toutes nos shows. Ça, vous avez ouvert pour les Ramoneurs. On a joué, pas ouais, c'est ça, avec les Ramoneurs de Menhir, avec l'hommage à Birurier Noir aussi. Là, on Brigada. Fait notre. Hein? Brigada. On a joué avec Brigada. En nous, on fait notre lancement de tournée européenne avec The Dreadnoughts le 11 août au Fouf. Puis au mois de novembre, avec Days and Days. OK, fait bon. Fait que là, oui, le Fouf, c'est rendu fouf votre nouvelle maison. Ben là, on n'a plus de catacombes, là. C'est plus facile. Ouais. Avant, c'était les catacombes, mais là, tu sais. Là, c'est rendu le cabaret des Fouf. Ouais. Ben là, c'était la grosse salle. Ouais, on est dans la grosse salle, là. On est comme rendu à nos aises dans la grosse salle, faut croire. Mais c'est ça, Bobette a un peu vendu la mèche, là, mais on s'en va surtout en Europe, là, à partir du 17 août. On s'en va faire trois semaines et quart. Ouais, j'ai vu passer ça, le booking, puis tout ça. Oh. Comment ça a été dur quand même à booker toute cette tournée-là? C'est pas facile de booker quelque part où ce que t'es pas, hein? Un peu, quand même. C'est pas tant le fait de pas être là que toutes les modifications qu'il y a eu. T'sais, moi, j'avais déjà booké avec mon ancien groupe Action Sédition. J'ai déjà fait trois tournées en Europe. Ça allait quand même bien, mais là, on a une espèce de. On a eu la pandémie qui a fait fermer bien des lieux de spectacle.
Puis, un peu comme on le vit à Montréal, mais là-bas aussi, c'est un embourgeoisement des villes, des quartiers, ça coûte de plus en plus cher. Fait que les salles de spectacle DIY qui font pas une scène vraiment, mais ils ont plus les moyens de se payer le loyer. Fait que ça ferme à qui mieux. Fait que c'est plus difficile, je dirais, qu'avant la pandémie de se booker une tournée là, en Europe, vraiment. Alors qu'avant, là, c'était comme all open, tout le monde voulait te recevoir, tout ça, là. Et, il y a comme plus. Puis ils t'en recevaient bien, là. Ben oui, exact, c'est ça. Mais là, c'est les lieux qu'il n'y a plus nulle part, là. C'est, ça ferme partout, puis c'est pas hot, là. Ben, mine de rien. Mais ça va être hot. Ouais. C'est mine de rien, on a comme un 17 dates, là. 16 dates, ben, en tout cas. À matin, sur 21, là, c'est bon. Ouais, ben, c'est ça. Fait que. On va visiter beaucoup de coins. Peut-être moins des. Les grosses villes que tout le monde connaît, mais c'est ça, ça va être incroyable. Je pense que c'est la première fois en Europe, puis pour un trip aussi long pour plusieurs personnes, dont moi. Sans, je pense. Ben, c'est ça, là, tu sais, on va être comme. L'architecture, c'est incroyable. On va manger des saucisses en Allemagne, boire de la bière. Qu'est-ce que. Schnapps. Du schnapps. Photo d'essayer, un bière. Ouais, un picon bière. Il part avec son livre, Les meilleures places pour touristes. Non, pour chaque ville. Des châteaux. Ah, ouais, OK, Google. Les déjeuners que t'as encore faim après. Oh, une baguette, un jambon beurre là, en France, là, moi j'aime bien ça. Non, mais tu sais. Ça manque outre... de bélonné, je trouve. Non, ben c'est sûr que non. Mais là, tu sais, outre les fantaisies gastronomiques, je pense que ça va être bien le fun. Parce que, ben justement, tu sais, s'il y a des personnes qui sont jamais allées en Europe, il y a aussi des spots. Que les autres qui sont déjà allés en Europe ont peut-être jamais vu. Braunschweig. Comme Braunschweig. Hof. Oui, toutes des villes que nous n'avons jamais visitées. On a même entendu parler. Exact, là, ça va être génial. Puis ça va être cool de pouvoir justement faire rayonner la musique qu'on aime jouer. Puis moi, j'ai bien hâte, là, ça va être malade. Ben, c'est cool parce que ça vous ouvre la porte à prendre racine, là, justement, ouais. En Europe, puis de faire comme check, nous, c'est ça. Fait que le monde est. On existe, on est ouais, là. C'est ça. Fait qu'il y a du monde qui va à des shows qui sont comme je sais pas nécessairement c'est quoi, puis qui font comme tabarnak. Ben, somme toute, pour une première tournée qu'on a jamais mis les pieds en Europe, 17 dates, c'est magnifique, mm-hmm. Mais on a beaucoup fait aller nos contacts là-bas. Oh. OK. Tu sais, parce qu'on est beaucoup de bookers dans le Ben. Tu sais, moi, je gère une salle de show qui reçoit beaucoup de Ben d'Europe. Fait que tu sais, on a toutes comme nos skills que ça fait qu'on a toutes fait aller ça, puis c'est ça que ça a fait aussi que ça donne une belle tournée. Là. Ouais. C'est vraiment nice. Faut dire que là-bas aussi, les scènes underground, c'est comme plus gros, surtout que c'est plus peuplé en général. Fait que tout. Il y a plein de villes quand même assez grosses, proches l'une de l'autre. Des plus grosses scènes, peut-être qu'on va retrouver, mettons, ici, tu sais, on fait Montréal, Québec, puis. Sherbrooke, c'est comme on est dans le 100 000 habitants, là, à peu près. T'sais. T'as fait le tour. Tandis que là, on va être dans des villes, je sais pas, de 500, 600 000, mais tu sais, comme tout le temps. Fait que c'est. En tout cas, je pense que ça amène quand même son lot de. Un gros bassin de gens qui peut venir te voir et te découvrir. Là. Fait que ça, c'est vraiment fun. C'est ça, t'sais, je pense les scènes, mais comme tu dis, les scènes underground sont plus grosses, mais aussi les mouvements militants, les mouvements d'extrême gauche sont plus gros puis implantés depuis vraiment plus longtemps. Ouais. T'sais, au Québec, on a cette espèce de tranche générationnelle-là là, où les gens sont d'extrême gauche pendant la vingtaine. Puis quand la trentaine débarque, tout le monde disparaît, puis on recommence à zéro avec la prochaine génération. Je pense qu'en Europe, il y a une tradition où même ça reste majoritairement des jeunes. Il y a une tradition qui est vraiment plus implantée, puis je pense que notre musique pourrait peut-être résonner un peu plus. Absolument. On fait une date en République tchèque, Allemagne. Aidez-moi quelqu'un. France, Italie, Suisse. puis une date en. Dans, c'est ça. On est tous des bookers, mais on se rappelle pas où est-ce qu'on va. Non, non. Quand on va être rendu là, ça va être ça. Là. La drogue et les commotions cérébrales. T'as en tête tout cabossé. Ouais, regarde, on fait avec ce qu'on a. All right. Hein, c'est cool. C'est le fun que vous puissiez vous payer ce trip-là. Là. C'est vraiment... C'est un nasty trip que vous allez vivre. Y a-t-il des endroits spécifiques que vous avez hâte d'être comparativement à d'autres? Ben moi, c'est parce que c'est ça. J'ai déjà fait bien des villes là-dedans là, pour des shows, mais je suis jamais allé à Braunschweig.
qui est en fait en anglais ou en français Brunswick. Fait qu'on va au vieux Brunswick. Ça me parle. Je suis jamais allé au nouveau, mais allé au vieux. Là. On commence par la première partie. Tu vas pouvoir comparer après. Exact. On aime-tu mieux le neuf ou le vieux? L'accent, ça ressemble-tu? Là? Ouais. Mais sinon, c'est ça, on va jouer avec Brigada Flores Magone, là, qui sont venus au Fouf justement cette année, qu'on a joué avec eux. Là, on va jouer en France. C'est comme un groupe culte quand même là, en France. Puis je pense que ça va être un pop et spectacle. Là, fait que j'ai bien hâte. Ouais. Toi, c'est un des spectacles, mettons, que j'ai hâte. Là. Il y en a plusieurs, là, mais. Ouais. Mais tu dois avoir hâte de toutes les faire, là, en théorie. J'ai hâte. Berlin, Paris, vont avoir des vieux potes, voir s'ils sont encore dans le milieu ou pas. Les tanneries à Dijon. C'est comme un lieu assez mythique dans l'underground de gauche. Fait que j'ai hâte d'aller visiter ça. C'est la salle de show où on va aller jouer. J'ai hâte de voir ça. Non, personnellement, ce que j'ai le plus hâte, c'est de voir la vibe. Mm-hmm. Parce que des places comme... Il y a des villes qu'on verra pas. Là. On va rentrer en fin d'après-midi, arriver en char, déloader, faire le soundcheck, jouer, prendre une coupe de bière, se coucher, repartir. Fait que il y a comme des places qu'on verra pas, mais j'ai hâte de voir comme les 25 jours, 7 plus notre driver dans une van, à quoi ça ressemble... C'est votre plus longue tournée à date, là? De loin. Je pense qu'avant ça, on avait fait deux semaines. Mais c'était en 2017, notre première année. Je pense pas qu'on ait fait d'autres grosses tournées à part ça. C'est vrai. On fait des fins de semaine, mettons, des 3-4 jours en Ontario. De la mais c'est ça qu'on voit souvent au Québec, là. Les bands québécois, là, ça va être des fins de semaine. Puis... Tu sais, jouer le lundi soir à Matane, mettons. Pas si... ça ramène grand monde. Ben, tu sais, il n'y a pas grand chose qui se passe. Fait que t'as des chances que l'on va. On va y aller, est-ce que All right, c'est cool. Babette, on va parler un peu de toi. T'étais attends, pas j'ai là. J'ai juste dit de quoi. Oui, quoi. Richard Zed, c'est roi. Il va y aller, hein, madame. Voir de la musique. Ouais, Richard Zed. Il est rendu là. Ouais, il habite là. On l'invite, tout de suite. Est-ce qu'il nous écoute, Richard Richard Il écoute Richard. Il écoute Richard. On sait pas. Mais ouais, c'est ça, Babette, je voulais qu'on parle un peu de toi. T'es pas, c'est la première fois, je pense, que tu viens sur le podcast. Oui, ben on en avait fait on un. On a fait un, mais c'était avec... pendant la pandémie. Ouais, ça, avec le petit moment trash, ouais, je pense que t'avais fait avec Claudia. Avec toi, non, il y avait moi puis toi. Oui, pendant la pandémie, en Zoom, on avait... Ah, c'est normal, okay, voilà. C'est au début, c'était une interview sur les petites salles de show qui sont en train de manger la claque à cause de la pandémie. OK, ouais, ça se peut. Pour te rafraîchir la mémoire sur ça tes interviews. On a fait un jeu de couple, là. j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, puis tout ça. Comment que t'es venu à Union Talks, comment que t'es venu à travailler avec le Draxid, puis okay. Tout ça, ouais. J'ai un gros parcours, mm-hmm. Mais je vais essayer comme de rapper ça. Yes. En sera pas capable. Ouais, Surtout si ta coupe de même. Ouais, non, mais... Ça commence en disant ça va être short and sweet. Non, mais ça va être short and sweet. Ben, en gros, ça a commencé beaucoup en Europe. J'ai passé 5 ans en Europe à voyager dans les squats. Puis c'est là que j'ai eu un peu la piqûre du booking, que j'ai commencé à booker des shows avec René Binamé puis tout. Fait que je suis revenue en 2010, puis j'ai vu en fait que la scène underground, surtout la scène locale, était beaucoup dead. Que tous les bookers qu'il y avait en 2010 étaient beaucoup visés tout le temps les gros bands, puis les bands locales se faisaient oublier. Fait que moi, en fait, j'ai parti les Manix Mondays au Café K.O. qui a duré 4 ans, qui était à tous les lundis, formule 3 piastres, 3 bands locales. Voilà. Fait que ça a évolué, ça a parti en fait comme ça. T'as fait un peu ton nom dans c'est le ça, j'ai fait, ben ça a parti beaucoup, mm-hmm. Parce que ça a quand même duré 4 ans tous les lundis, fait que ça fait quand même 4 ans fois 52. Ça fait pas mal juste de choses. Juste 4 ans? Ouais, c'était plus long que ça. C'était en mars 4 ans, là, à tous les lundis, qui est comme la pire journée de la semaine aussi, là, qu'il faut que tu fill in. C'est un 200. Puis, je vais toujours me rappeler, le premier show des Manix Mondays, on a mis le système de son en feu, fait que j'étais comme « fuck ». Ouais, c'était avec Cheers Mate, puis tout avec Mila. Fait qu'en tout cas, ça a commencé de même, puis après, tu sais, j'ai déménagé au Fatal, qui est quand même une bonne plaque tournante pour les bands.
Puis il y avait la salle de show qui a fermé pendant un bout à cause que ça a été dénoncé. Puis là, moi, j'ai repris ça en 2017 avec d'autres mondes. Puis je vais toujours me rappeler Union Tug, ça, c'est un projet qu'on parlait depuis quand même longtemps. Puis ça s'est concrétisé au Catacombe pendant un show. Je vais toujours m'en rappeler. On était en train d'en parler. Puis, on dirait que t'as ça qui s'en rappelle. Ouais, on fasse des ouais, c'était pendant une drogue, c'était pendant un break en deux bennes. On a concrétisé notre première date de jam à ce break-là en deux bennes. Puis c'est la semaine d'après, on commençait à jammer chez moi au Fatal. Puis okay. Après, on a jammé à Alabama, puis fait comme ça. Je suis quand même pas pire, là. Je suis en train vraiment de rapper ça. Très fort. Hein? Très fort. Jure. Puis là-dedans, t'as quand même plugué qu'on a jammé à Alabama. J'ai jammé là, moi aussi. Puis, tu sais ça, puis le trackside, ben ça va super bien. Puis, ah, il y a des shows. C'est vraiment blanc et noir avant pandémie, puis après pandémie, là, cette salle-là, elle s'est mise beaucoup sur la map. Depuis la pandémie, puis une des raisons, malheureusement, c'est qu'il y a eu beaucoup de salles de show qui ont fermé pendant la pandémie. Fait que ça fait qu'il n'en restait plus beaucoup. Mm-hmm. Surtout pour la musique en dehors. C'est pour ça. Comme, moi, je suis contente que le trackside, ça allait popper, mais tu sais, c'est vraiment dommage parce qu'il y a la un gros... Ben, y a, ou, la raison du pourquoi, puis il y a un gros... manque de salles de show. Ouais. Je regarde toutes les salles de show, que ce soit autant Turbo House, la Sotorena, la Sala Rosa, l'Hémisphère Gauche, le Trackside. On est quasiment tous bookés pour le restant de l'année. Là. Mm-hmm. Tellement que ça s'arrache ben, là, ouais. Les dates. Puis c'est aussi, la pandémie, ça a créé un engouement monstre. Tout le monde est rendu booker. Les bennes, tu sais, t'as plus besoin de communiquer avec un booker officiel. Là, à cette heure, les bennes prennent le devant. Ouais. Puis ils s'auto-produisent aussi, fait que je trouve que ce qui est vraiment, vraiment cool aussi. Fait que moi, je trouve que depuis la pandémie, la scène le... underground au Québec, il n'y a pas juste des salles qui ont fermé, il y a vraiment plus de jeunes qu'avant. Je pense qu'avant la pandémie... avant la pandémie, Bobette réalise c'est quoi dealer avec des bobettes de 18 ans. Elle trouve pas ça facile. Mais tu sais, avant la pandémie, t'allais voir un show punk, puis c'était du monde de notre âge. Là. La question, c'est est-ce que le monde a plus les cheveux blancs ou de la calvitie? Tu sais, c'est où que ça se place dans le show punk? Depuis la pandémie, des en bas de 22 ans, ils se comptent par centaines dans les salles. C'est un peu fatigant, mais c'est beau à voir. Mais c'est ça. Moi, je pense que pendant la pandémie, une affaire qu'il y a eu à Montréal, qu'il n'y a peut-être pas eu dans bien d'autres villes, c'est beaucoup de shows gratuits dehors, sauvages, un peu semi-illégal. Que comme ça l'a amené d'un bassin de jeunes à peut-être s'intéresser, tu sais, à pas juste ça, peut-être qu'ils checkaient sur Google puis ils ont tombé sur Punk Underground, mais comme. Mais tu sais, je pense qu'il y a eu un paquet de gens qui se sont intéressés à la scène des plus jeunes parce qu'il y avait cette ouverture-là pendant la pandémie qu'il n'y avait pas en temps normal, parce que comme il n'y avait pas de show, on ne pouvait pas aller à l'intérieur faire des shows, il y avait des shows extérieurs gratuits un peu partout à Montréal. Il y a l'Overpass Beaubien, par exemple, qui a quasiment des shows à tous les semaines encore aujourd'hui. Nous autres, on en a organisé. Tu sais, les TUGs, nous autres, on est un peu équipés pour jouer dehors. Là. On a notre propre génératrice. C'est ça, pour aller faire les places de piquetage. Exact, c'est ça. Fait que, on a prêté un peu notre système de son aussi à d'autres bands qui voulaient faire des shows dehors, tout ça. Fait que ça a amené un beau côté que les gens se sont comme un peu réappropriés cette scène-là en disant « Regarde, il y a un terrain vague ici qui sert à rien, on va faire un show ici ». Puis ça dérange personne, puis tu sais, malgré tout, c'est illégal, il faut se cacher, parce que là, si la police débarque, attention. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais c'est ça pareil. Fait que je pense que ça a joué, puis que là, on revient post-pandémie avec moins de salles qu'avant, moins de lieux pour pouvoir faire vivre cette scène-là, mais simultanément, comme un engouement des plus jeunes qui s'intéressent, puis commencent à rentrer. Fait que tu sais, il y a comme, je pense que les shows en ce moment sont pactés parce qu'il y a ce mélange-là de pas assez de salles puis beaucoup de jeunes qui arrivent. Mm-hmm. Ouais. Ça marche à côté. Puis pendant en tout cas, si on y va dans l'analyse, il n'y avait pas accès à aux salles qui restaient. Parce que à Montréal, aussi, avant la pandémie, nous, on a eu la chance peut-être un peu plus de voir l'ère des shows all age. T'sais. Là où tu étais en bas de 18 ans, ben tu pouvais rentrer quand même, tu buvais dans la ruelle, puis machin, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme moi, je pense juste à l'exemple, le café Linco,
où je suis allé voir mes premiers shows sur Papineau, tu sais, j'avais 13-14 ans. Ben, ça n'avait pas été de cette place-là qui acceptait les mineurs, tu sais, puis que, ben, dans les faits, il y avait pas d'alcool qui se vendait là. Ben, je serais probablement jamais rentré dans cette scène-là, tu sais, j'aurais pas eu accès. J'ai l'impression que ça a eu cet effet-là, tu sais, les shows sauvages, ça a été comme... Cool. Mais c'est le fun que ça revienne, parce que c'est ça, moi aussi, tu sais, à cette époque-là, j'ai tellement découvert de bandes locales, tu sais, t'avais des shows, tu sais, j'ai toujours été en banlieue de Montréal, mais il y avait des shows à tous les fins de semaine, ouais. Ça coûtait 5$, tout le monde pouvait y aller, passer des flyers à l'école secondaire aussi, puis on allait un show, puis j'ai passé, Chris, mon adolescence, c'était rien que ça, je faisais, aller voir des petits shows all age, puis il y avait des places où il pouvait avoir des plus gros bands un peu, mais qui restait all age, puis que c'était possible d'avoir un billet pas trop cher aussi. Ben, à l'époque, il n'y a rien qui va battre Lix puis l'Underworld, qui étaient littéralement un en face de l'autre. Ça, le Rainbow. Puis, ouais, toutes des belles salles all age. En plein milieu du centre-ville, là, ouais. Tu sortais à Berry-UQAM, puis c'était là. Mm-hmm. Là c'est... Je me rappelle, moi, j'habitais dans le centre-sud, fait qu'à comme 10 minutes du centre-ville. Puis ça, je me rappelle, j'avais 15-16 ans, je partais en bicycle, je savais pas il était où le show, je savais pas c'était quoi le band, mais c'est pas grave, tu partais un peu chaud sur ton bicycle, tu faisais 3-4 salles en espérant voir c'est laquelle qui a un show ce soir-là, puis ça y est, t'as ton show punk, tous tes chums sont là, puis ouais. c'était vraiment des début des années 2000. T'as des beaux moments. T'avais le petit dealer de mescaline du parc à chaque coin de rue, fait que ta soirée était setée no matter what. La porte était pas trop, tu pouvais te cogner la tête dessus, aller au gars de mescaline, puis tu sais, c'est-tu le début des commotions? Je pense pas mal là que ça a commencé. La crise de compte de porte. Ouais, j'aimerais ça te dire qu'on était dans une ligue de hockey, puis oui, mais je pense que c'est l'X le problème. Puis, Bobette, comment t'as commencé à jouer de l'accordéon? Ah, en Europe de l'Est. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, l'accordéon, en Europe, c'est super. C'est un instrument super populaire, autant avec les grands-parents que les manouches, les tiganes, mais les punks. Tu t'en vas dans n'importe... moi, en tout cas, dans punk le temps que j'étais... Punk à chien avec des caravanes, là, on parle de ça. Tu sais, moi, en tout cas, dans le temps que j'étais là-bas, je débarquais dans toutes les squats, il y avait au moins 2-3 punks qui jouaient de l'accordéon, fait que c'était un instrument. Mais pourquoi moi, j'ai commencé à... J'en ai aucune idée. C'est une époque aussi que la drogue était très... Il y avait de la dans ma vie. Fait que, mais je pense que j'ai juste comme que. Ah, je m'en rappelle, c'est mon ex de là-bas qui jouait de l'accordéon qui m'a appris. On le salue d'ailleurs. On le salue. Est-ce qu'on se rappelle de son nom? Henry. On se rappelle de son nom. Puis, je me rappelle que j'ai pogné l'accordéon, puis c'est un instrument qui est vraiment complexe parce que t'as deux tempos à être synchro, puis ça a comme parti super bien. Mais j'ai appris à bouton. Les boutons partout des deux côtés. Puis quand je suis revenue ici, je me suis rendu compte que les accordéons à boutons, ça n'existait pas. Fait qu'il a fallu que je réapprenne l'accordéon à piano. OK. Il a fallu que je me réapprenne. Non, parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre un piano que les accordéons à boutons qui partent. Yo, les boutons, là, ça part dans toutes les fucking sens. Ça n'a aucune astuce logique. Ben, on dirait quasiment une machine à taper, là, genre dactylo. Oui, qu'est-ce... Ouais, c'est... Tu peux écrire un... Je pince trois différents. À chaque fois que tu pince sur quoi, là? Bien agréable, non? Hey, si je lisse la cible, ça va pas! Mais ouais, fou instrument, parce qu'ici, personne n'en joue. Mm-hmm. J'ai remarqué que c'est pas un instrument qui est autant prédominant en Amérique du Nord qu'en Europe. C'est. Ah, c'est super intéressant. Mm-hmm. On va s'aligner tranquillement pour aller vous laisser vous installer. Je sais pas si vous voulez nous parler des chansons que vous allez nous présenter aujourd'hui. Il y en a une qu'on va vous présenter nous-mêmes. C'est comme dans l'intro de la toune de la présenter. Fait qu'on n'en parle pas. All right. On va parler de Partisan sans cesse. Ah, ben écoute, on va se faire notre fameux hit. conférence de presse. Les Union Thugs cet après-midi à du bruit et à mes oreilles vont jouer leur hit Partisan, chant de résistance, reprise à Leonard Cohen. Un vidéoclip présent sur Internet, sur YouTube, en fait. Qui est enregistré une couple d'années dans le passé. All right.
qu'on va vous présenter acoustique, puis on va vous présenter une nouvelle chanson. Nouvelle que personne n'entend. Ouais. Nice. On va vous parler du monde à la shop. On l'a joué au bar Le Courcelle il y a une couple de semaines. Le seul show qu'on n'a pas fait au Fouf. Le mercredi soir au bar de Courcelle. Ça s'appelle The Preacher and the Slave. Le restant va être présenté tantôt en parlant des gars de la shop. Du monde à la shop. Qui veulent sa tame, puis leurs aspirations, puis ce qu'ils chantent à la taverne. All right! On était calme. Puis, avant qu'on se laisse, je vous laisse aussi plugger tous vos spots, tout ce qu'on va pouvoir vous écouter, puis vous encourager. Ça, c'est Stacker, notre secrétaire, qui va vous parler de ça. Hey, je suis pris au dépourvu, là, c'est à mon tour. Ben, écoute, déjà pour nous écouter, on est disponible absolument partout. Non, mais tu sais, genre YouTube, Spotify, on se comprend, Bandcamp, là. Bandcamp, iTunes Music, Shazam. Pour nous encourager, on a une petite page de Patreon où on essaye, on tient au courant de ce qui se passe. Fait que, comme vous, d'ailleurs. On en profite, vous avez déjà une clientèle pour ça. Si vous avez de l'argent plus à donner, si jamais vous trouvez là. Nos 5 patrons, allez les encourager. Les Union Thugs. mais il y a ça, puis sinon, ben, c'est en show que ça se passe. Fait que prochain show au Fouf avec The Dreadnought. Je pense que ça va être un esti party. Puis Carry Me Home. Très bon ami, de très bon musicien aussi. Parlant de la chasse. C'est tellement du bon monde, Carry Me Home. Je peux-tu prendre l'occasion maintenant que j'ai un micro? Ils transpirent tout le bon monde. Il y a du monde de même, tes croises, ils n'ont pas parlé. Tu sais que c'est du bon monde, Carry Me Home. Ah ouais. Pour vrai. The Dreadnought, je sais pas. Il y en a un qui a même changé la toilette du trackside pendant qu'on jamait. Il faut avoir le cœur à la bonne place en esti. On le remercie. Faut être courageux. On le remercie au nom de tous les spectateurs qui passent dans cette salle-là, parce que des fois, c'est pas facile. Fait qu'une nouvelle toilette, c'est pas de trop. Merci, Gab. Ils savent pas si c'est le lavabo ou la balle. Fait que c'est ça qui est ça. Elle n'est pas plus de job à ma baisse qu'elle a déjà. All right, ben, c'est cool. Puis c'est ça. Comment est venue l'idée du Patreon? On vous a écouté. Non, mais 10% Mysterio. C'est un mix entre vous autres puis Stupid. On s'est dit, Chris, il y a de quoi à faire avec ça. Non, non, mais tu sais, on se mentira pas. D'un côté, la musique, tu sais, ça coûte cher. Ouais. Genre, c'est un local, c'est des instruments, c'est des réparations d'instruments. Sans mange ces cordes de git. Genre, juste garder des cordes après cette git-là, Patreon, il n'y arrivera pas. Là. Mais en Afrique avec ma sueur. Fait que, d'un côté, ça coûte cher. Fait que, on essaie de regarder, y a-t-il du monde qui peut nous supporter dans ce projet-là? Parce que, déjà, il y a du monde qui supporte les arts en général. Mm-hmm. De là, le nom de Patreon. Puis. On fait de la musique, puis pas juste de la musique, on fait aussi de la politique, puis ça peut intéresser des gens qui sont prêts à nous soutenir là-dedans, parce qu'on va aller voir une ligne de piquetage que personne parle dans les médias. Mm-hmm. Ben, nous autres, on va y aller avec nos peu de moyens. On va parler avec eux autres, faire une petite entrevue, publier ça, on va profiter pour essayer de les aider, puis tout ça. T'sais. Fait que ça, je pense que c'est du monde que ça peut. Ils peuvent trouver ça intéressant comme concept, puis dire, hey, ben moi, tu sais, je vois pas dans les shows nécessairement ou quoi que ce soit, mais j'ai envie que des aider à faire ce qu'ils font. T'sais. Nous autres, ça va tout pas dans nos poches. Parce qu'on n'atteint pas le minimum on a ce problème-là, nous autres, avec. C'est ça, exactement. On met comme plus que ce qu'on reçoit, mettons, en argent, mais c'est le fun. Aidez-nous sur Patreon. All right. Bon, ben, on vous laisse aller vous installer. On va écouter un petit peu de musique. Vous laissez le temps de tout placer ça. Puis on vous revient tout de suite après avec les Thugs en prestation acoustique. All right. Yeah. Thank you.
yo, j'ai pas une once de malice. Pas un sou dans les poches, mais du vin de dep dans le calice. Ça aime se parler dirty, on est tanné qui nous salisse. La queen du bloc de Kratos, fucking perdu au bout d'Alice. Chit-chat sur le catnip, avec les girl-girl dans mon gang-gang. J'fais couler langue sur les matches. Ursula dans des sweatpants, j'suis dun-dun avec Disney. Blanche-Neige et l'Epiphany, chauffe-chauffe comme Britney. Ils veulent donc ben a piece of me. Blind queen dans mon hush lag, queer peeps dans le portable. Féministe et pas sortable, on est partout, faut nous untag. Ils veulent nous réduire comme des féculents, j'arrive dans le game comme un spéculum. C'est un bain de sang, j'suis le tampon, les ficelles c'est moi qui manipule. Estrogène en full dose, j'pète le game en bulldoze. Un bulldog c'est mon top 10, il est tout rose. Si tu une bouche ou un beau jeune homme, le poil ça les rend tout émotionnel. Des millions d'années de règne hétéro, j'ai pété tout ça en 0 secondes. Lesbienne ou sur le tatou, rugueux ça se rend pas tout. Y'a écoutant le ding, she said, comme le vieux clip de tatou. J'rappe boy comme cellophane, Queendom c'est comme Leopold. Ratchet c'est de pléonasme, who do you like in a Leopold? Lesbienne ou sur le tatou, lesbienne ou sur le tatou. Mon beau sourire de Colgate, mon service est essentiel, j'suis pas dans les produits de beauté. Les femmes hétéros sont toutes un peu sur le bord de Colgate. La clôture est pas haute pis la ligne est mince comme la cocaine. Partout ça l'agite que des red flags, j'te trouve femelle fucking instable. Une Gwyn folle dans son U-Haul, j'arrive à peine et je m'installe. J'suis la femme à barbe de la fight foraine, j'mors comme Marie-Pierre Morin. J'arrive comme le big bad wolf, Marie-Lou j'ai des bad news. J'entends tellement de voix, c'est que des solistes. J'en rajoute sur le top, et non, j'suis vraiment pas désolé. Il paraît que j'suis rugueuse, je sais bien que je suis police. Terroriste du poil, c'est pas la peine, t'appelles la police. Oh yeah, j'suis pas député, moi je fais des rap. J'ai fini de voter au fédéral. Au bloc Keb, y'a des pédérastes. Yo fuck them, tous en général. Comment le savoir que c'est des caves? Stay tuned, hey, j'pense que je manque de B12. Le chef de la droite est un gay dude. Party, c'est le
coucher de bonne heure, moi tout fait mon vice. Voir faire ma lueur, moi de bonne fin de pur. Alright, alright, alright! Tosse-toi, Mysterio! On est avec la gang de Union Tugs en studio aujourd'hui pour le 24 heures et ils nous font une petite prestation acoustique et on vous laisse là-dessus. Hello! La prochaine chanson, elle s'appelle Partisan! 1, 2, 3, 4 et... Yeah! Oh, the wind is blowing. To the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Death will come from the shadows. Les Allemands étaient chez moi. Il me dit, résigne-toi. Mais je n'ai pas peur. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais. Savez, effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Et je tourne en rond. Dans la prison des frontières, un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Hier encore nous étions trois. Il ne reste plus que moi. Mais j'ai tant d'amis.
et j'ai ma classe entière. Oh, the wind is blowing, the grace, the wind is blowing. Freedom soon will come. They will come from the shadows. They will come from the shadows. They will come from the shadows. Excusez-la. Fait que c'est ça, ça c'était notre première tune. Mais là, moi, je vais vous parler avant de starter l'autre parce qu'on a pas mal de temps libre. Mais on va vous parler du monde à la shop. Connaissez-vous ça, le monde à la shop? Moi, je travaille dans une shop dans le temps. Moi, je travaille dans une shop. Parfait. On se comprend. Moi aussi, je travaille dans une shop. Moi, moi, à ma shop, le monde, là, il rentrait travailler à tête dans le cul. Il haïssait leur job, c'ti, mais il allait là parce qu'il fallait travailler pour avoir un peu de bélonné sur la table. C'est mais, ce ben c'est ça qu'ils veulent. T'sais. Fait que, quand le chiffre finissait enfin, la sonnette à cloche, voyons, la cloche à sonner, la barnaque. À la fin du chiffre, à 5 heures le soir, le monde il sortait puis il allait où? À taverne. Il allait à la taverne pour enfin oublier la petite journée de cul qui venait de passer à la shop. Puis là, il parlait tout le temps d'un certain Joe Hill. Un dénommé Joe Hill. Joe qui? Joe Hill. Ce gars-là, il avait été de tous les combats. Il avait immigré aux États-Unis au début du siècle dernier. À la recherche d'un monde. À la recherche d'un monde meilleur et d'une overdose aussi. Mais il s'est retrouvé dans un esti de monde dégueulasse, pire peut-être que l'autre qui venait de quitter aux États-Unis d'Amérique. Il s'est dit tabarnak, ça n'a pas de sens, ça. Faut faire de quoi? Faut se battre contre ça. Il s'est organisé avec les Industrial Workers of the World pour changer ça une fois pour toutes. Il est allé jusqu'au Mexique pour faire la révolution aux côtés des Industrial Workers of the World. Il est revenu aux États-Unis. Il a continué le combat toute sa vie. Jusqu'au jour où il s'est fait tuer par l'État américain qui voulait sa peau parce qu'il était trop dangereux en titre de syndicaliste révolutionnaire. Ben tabarnak. Avant de mourir, Joe Hill, c'était un musicien. Il écrivait des chansons. Il faisait des mouvements de grève, puis là, quand il se mettait en grève, tout le monde, il y avait une petite gang de morons qui s'appelait l'Armée du Salut, The Salvation Army, qui venait devant leur ligne de piquetage jouer de la musique religieuse pour les enterrer parce que c'était des estis de communistes. Fait qu'il fallait pas que le monde voit des communistes ou des anarchistes ou n'importe quoi. Fait que là, les gentils chrétiens d'extrême droite étaient là pour protéger le reste de la population d'une grève en venant chanter de l'estis de musique religieuse de marde. Mais là, tu sais-tu quoi, Joe Hill? Il s'est dit, attends une minute, Joe Hill. Il a dit, moi, je vais écrire une toune sudée, une mélodie qui vient de nous chanter, cette gang de morons-là. Comme ça, quand ils vont venir nous jouer de la musique sur notre ligne de piquetage, on va chanter avec leur musique nos paroles. Ça va être écœurant. Parce qu'on est quasiment plus que eux autres. Exactement. Fait que là, il a écrit la chanson qui vient. Puis le monde à la shop, là, quand il est arrivé à taverne, il se mettait tout le monde ensemble. Pis il chantait ça en gang. Ça allait comme suit. Ça ressemblait à ça. Il disait 2, 3. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Way up high. Work and pray. Live on hay. You'll get by in the sky when you die. That's a lie! Long-haired preachers come out every night, try to tell you what's wrong and what's right. But when asked about something to eat, they will answer with voices so sweet. You will eat by and by in that glorious land
the sky. Work and pray, live on it. You'll get by in the sky when you die. And the Starvation Army, they play. And they sing and they clap and they pray. Till they get all your coin on the drum. Then they tell you when you're on the bomb. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray, live on, hey. You'll get by in the sky when you die. Holly rollers and jumpers come out, and they holler, they jump and they shout. Give your money to Jesus, they say, and he cure all diseases today. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray, live on, hey. You'll get by in the sky when you die. If you fight hard for children and wife, try to get something good in this life. You're a sinner and a bad man, they tell. When you die, you will sure go to hell. You will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray, live on, hey. You'll get by in the sky when you die. Et faut pas oublier, le monde achète ce qu'il voulait, il rentrait travailler juste pour mettre du bélonné sur la table. Puis revenait chez eux puis crissait leur cas de ce job-là. C'est pour ça qu'il rentrait à la shop. Fait qu'il chantait aussi ça comme ça. Working men of all countries unite. Side by side we for freedom will fight. When the world and its wealth we have gained. To the grafters, we'll sing this refrain. You will eat by and by when you've learned how to cook and how to fry. Chop some wood will do you good, and you'll eat in the sweet by and by, and you'll eat in the sweet by and by. Yes, merci, tout, merci les gars, merci Bobette d'être venu pour le 24 heures. On est super content de vous avoir eu encore une fois. Ben oui, réinvitez-nous l'année prochaine. Ben oui, eh oui, vous allez être nos réguliers. Yes, on va aller écouter une petite chanson des Francs Bâtards et après ça, on vous revient avec Margaret Tracteur. Yes, sir. On salue Alex.
animaux, éléments emmaillés. Comment un pied de bois avec de l'eau, qu'on nous va tirer dans l'eau, que ça dise en marée. Nous aussi nous sera beau, oh oh eh. Nous aussi nous sera beau, oh oh eh. What's up, come on? Come to reggae party and then I hear the sound of city. Oh, hear the reggae party, get the sound and I never go. Your hands up in the air, can I touch?